Ce film va sauver le MCU. Non, c'est pas sûr. Deadpool et Wolverine, une comédie d'action super-héroïque avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman pour les principaux. Alors ce Deadpool et Wolverine, messianique ou fanservicique? Bah franchement j'ai passé un bon moment devant ce film, c'est un film sans prise de tête qui se laisse franchement regarder. C'est clairement un hommage aux films de la Fox de la grande époque et on prend plaisir devant les caméos de ce film. C'est un petit bonbon pour les amateurs des films de la Fox dont je fais partie, vu que j'ai connu la grande époque des films de super-héros de cette boîte de production. Et c'est à mon sens le gros point fort du film. J'ai aussi apprécié le développement du nouveau Wolverine, même si je trouve que les théories autour du perso que j'ai pu voir sur YouTube était bien plus forte en termes de tension émotionnelle que ce qui est proposé dans le scénario. Mais bon, c'est un avis personnel, hein, ça n'enlève rien à la qualité du film. En termes de points noirs, j'ai trouvé que les enjeux, même s'ils sont importants pour le perso principal, manquaient de force pour moi. J'attendais un truc bien plus fou pour la scène finale, quelque chose de vraiment plus impressionnant, même si ce que propose le film est très bien symboliquement parlant. Aussi, le méchant de l'histoire est juste fou en termes de pouvoir. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, j'étais sur le cul. Comment tu peux battre des pouvoirs aussi cheatés? Du coup, bah, pour que le film puisse continuer, il faut soit que le méchant fasse des moves débiles, soit qu'il retient ses coups, sinon il élimine les héros en deux temps, trois mouvements et le film est fini. C'est un point dérangeant, mais en même temps, le ton du film est tellement dans la connerie que ça passe. Pour finir, je pense que ce film va sûrement devenir une icône dans le MCU. Et franchement, vu le battage médiatique autour de ce film, la promotion assez folle entre innombrables bandes annonces et de petites vidéos featurettes et blagonnettes, le retour de Hugh Jackman en Wolverine et les promesses des dizaines de caméos, ce film ne pouvait pas se planter au box-office. Et c'est le cas, le film a fait et continue de faire un carton. Et est-ce qu'il va sauver le MCU à lui tout seul? Franchement, je pense pas. Il aurait pu s'il avait installé un truc pour les prochains films. Le retour de Robert Downey Jr. ou l'installation du prochain méchant avant Kang. Mais malgré tout, ce film est très fun à suivre pour se marrer entre amateurs du MCU. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir une comédie super-héroïque plutôt fun avec une pointe de nostalgie, ou si vous avez envie de revoir tous les super-héros de la Fox dans de prochains films, parce que moi oui.